Hello. Bon, ça y est, on avance de nouveau un peu plus facilement. Je vous avoue que hier et la nuit dernière, ça n'a pas été simple. Il y avait une mer très compliquée avec le Gulf Stream, mais moi j'étais vraiment en plein dedans. J'aurais dû l'anticiper un petit peu mieux, mais c'est vrai que c'est un peu la météo qui m'a emmené là. Pas facile, et puis en plus on bute dans le fond là qui est juste devant nous. Là, je vais vous montrer les petites images si vous voulez après. Voilà, sinon tout va bien. J'ai eu la petite visite d'une hirondelle là pendant 24 heures à bord. Elle est venue là pour se reposer, c'était marrant. Elle est passée une fois dans le cockpit. Voilà. Bon, sinon, ouais, Charlie lui est passé devant le front, ça c'est sûr. Boris aussi, d'une façon différente, avec une route un peu plus nord. Voilà, on verra ce que ça donnera à la fin. Et puis là, on est tous en train de s'aligner, tout le monde est en train de buter sur ce front. Je vais vous montrer ça. Alors, voilà un peu la photo. Bah, nous, on est là, hop, juste ici. Et ça, c'est le grand front. Donc voilà, avec là, ce qu'on voit là, c'est de la pluie associée au front. Et voilà. Et en fait, bah, comme souvent derrière les fronts, il y a souvent des petites zones avec un peu moins de vent. Et en fait, on bute dedans et le front avance. Du coup, on n'arrive pas à le passer. En plus, moi hier, au moment où j'ai essayé de passer, j'étais dans le Ouais, dans le Gulf Stream, donc avec une mer très très pénible où j'arrivais pas à faire aller vite mon bateau. C'était vraiment trop violent. Donc voilà, là j'ai changé un peu de stratégie, je suis remonté un petit peu vers le sud et puis je vais essayer de passer là. Voilà, et alors petite image du Gulf Stream. Tac. Voilà, bon, en gros c'est, vous voyez en vert là, vert rouge. C'est les courants forts des courants forts et voilà, et ça fait du coup tout ça une mer assez pénible, assez cassante quoi. Difficile d'aller vite avec ça. Voilà pour les petites explications. Allez, à plus.